Bonjour à tous et bienvenue pour ce cinquième unboxing du mois de mai où je viens de recevoir le colis de la boutique de l'Ange de Gaïa que je vais ouvrir avec vous. Alors, nous avons des petits mots. Le message du colis, le message de l'ange de Gaïa, de Véronique, avec un petit cadeau. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une tresse népalaise, je ne connaissais pas. Allumez l'extrémité pointue de la tresse, soufflez, déposez-la sur un support ignifuge. Je ne connaissais pas. Merci, c'est très gentil. Ensuite, j'ai commandé des herbes. Donc là, c'est du laurier séché. Voilà, j'en ai commandé deux petits sachets. Ici, c'est des herbes composées. Des composés magiques. Donc là, qui est composé pour améliorer la divination. Et le deuxième, c'est pour attirer de l'argent. Voilà. Ce sont des herbes pures qui proviennent de son jardin ou d'herboriste certifiant bio. Voilà. Ensuite, elles sont grosses ces pierres. J'adore. Tout ce que j'aime. Alors là, ça doit être, à mon avis, ça doit être l'agate blanche. Voilà, l'agate blanche. Ah bah, c'est noté à l'intérieur. Agate blanche, voilà. Magnifique. Ici, une quartz rose. Je vais rajouter dans ma collection de pierres. Et ici, de la citrine, que je n'avais pas. Alors, franchement, je suis contente, très contente de ma commande. Et aussi, j'ai rajouté des cristaux de roche. Ensuite, j'ai craqué aussi pour ce magnifique pendentif. C'est la lune et l'arbre de vie. Il est magnifique. Je ne sais pas si vous... Oh, regardez. Regardez ça. Très beau, je trouve. Avec sa chaîne. Ensuite, des bougies. Des petites bougies. Des bougies. C'est des bougies de rituel. Fait. Alors, c'est de la cire végétale. C'est une cire de soja. Il faut que vous sachiez que tous ces produits sont faits majoritairement faits à la main par Véronique. Je trouve ça formidable. Voilà, deux petites bougies marron. Ensuite, j'ai commandé ce jeu que je ne connaissais pas du tout. C'est le tarot de Nicoletta Ciccoli. Ciccoli, je ne sais pas si je prononce bien. Voilà, j'ai craqué pour ces images. Je trouve magnifique. Alors ici, vous avez le petit livre, son petit livret. Voilà. Et voici le jeu. Les illustrations, je trouve qu'elles sont très belles. Elles me font penser à un monde magique, magique de rêve, ou je sais pas, où on voit des petits enfants avec des jeux en bois, des jeux anciens. Très belles illustrations, je trouve. La matière des cartes aussi, très solide. Ils
sont vraiment belles. Voilà. Alors, je vous remets tout cela. Alors, voici la petite pierre, les herbes, mes bougies. Et mon pendentif. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine unboxing. Ciao.